Alex, c'est incroyable, tu me fais vraiment penser à José là. Ah, c'est incroyable, c'est hallucinant, on dirait le même. Qu'est-ce que vous voulez, je suis le remplaçant de José. Faites bien que je me mette dans l'ambiance. C'est fou, tu arrives même à voir ses mimiques. Non mais ça c'est normal, je suis le grand José alors... je suis génial. Non c'est super, faudrait juste que tu râles un peu plus. Attends là... C'est à moi que tu parles, micro? C'est qui je suis? Oh bah voilà, bah c'est José, ça y est, c'est lui, c'est lui! Et bah, où est-ce que t'as eu cette perruque? Ça fait partie de ta garde-robe? Ah non, non, ça je l'ai emprunté à une copine. Ah oui, c'est vrai qu'il les collectionne, enfin, les copines, pas les perruques. Toi, t'es un tombeur, toi! Bah, tu veux pas savoir, il a un agenda électronique. Il y a tellement de rendez-vous, il s'en sort plus. Bon, ça va, n'exagérez pas non plus. Hey. Alors, à mon avis, n'exagère pas du tout. Non, bon, d'accord, j'admets, j'ai eu pas mal de copines. Mais c'est parce que j'attendais la femme idéale. Ah ouais. On va peut-être les laisser, qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 ça va aller. On est venu pour faire la musique. Non, ça a raison, elle a raison. En plus, on se verra tranquillement ce soir. On peut même dîner ensemble. Oh. Désolée, je suis pas libre. Pas grave, ça... Demain soir, quand je suis amoureux, je peux être très patient. Écoute, Alex, je peux te dire un truc sans que ça te vexe? Bien sûr. Tu n'es pas du tout, mais du tout mon style. Ça a été clair, hein? Et on répète? Bon, juste une seconde. Je remets mon petit... hop. Voilà. Non, mais dans le fond, elle a dit ça, mais je sais qu'elle est folle de moi. Bon, allez. 1, 2, 1, 2, 3. Il est nul! Enfin, Lali, t'es sûre que tu t'es pas trouvé de journal? Mais tu me prends pour une imbécile. Petites annonces, c'est marqué là. Bon, 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 t'énerve pas, c'est bon. Non, ce qui m'agace, c'est de pas trouver une annonce, voilà. Oh, mais c'est difficile de trouver un travail, tu l'essayes très bien. Ben, je sais, mais les filles, je suis tellement fauchée, mais tellement fauchée qu'il faut absolument que je trouve une solution. Ça, sans doute, hein, vu tout ce que t'as dépensé la semaine dernière. Mais c'est normal, j'avais rien à me mettre. Oh là là, ça y est. T'as pas l'impression d'exagérer un petit peu, là, un tout petit peu? Non, non, pas du tout. J'avais besoin de m'acheter des trucs pour me sentir bien. Voilà. Écoute, je peux te dépanner. Pour moi, ça va en ce moment. Non, je suis désolée, mais je préfère pas être endettée. Puis je vais bien finir par trouver une petite annonce qui me convienne là-dedans. Et dans quel domaine tu recherches? Ben, un truc pas trop crevant, quoi. Je sais pas. Mais tiens, voilà, voilà. Serrurier. Ça m'irait bien, serrurier. Serrurier. Non, mais tu t'y connais, toi, en serrurerie, peut-être. Bon, ça doit pas être bien compliqué. Oui, mais bon, tu sais, Lali, c'est un métier, quand même, hein. Oui, bah... Je sais pas, quoi. Oh, j'ai trouvé quelque chose, je sais pas. Hé hey, mais est-ce que t'as demandé à Alfredo si tu pouvais bosser ici? Bah, bien sûr, j'ai commencé par ça. Vous savez pas ce qu'il a répondu? Non. Il a répondu que ça lui suffisait de me voir en tant que cliente. Que si jamais il m'embauchait, il risquait de faire une overdose. C'est sympa, non? Remarque, moi, je le comprends, je le comprends, Alfredo. Bah, eh, non, mais c'est pas drôle, non, les filles, qu'est-ce qu'il vous prend? Mais rien, arrête. Bon, alors... Eh ben voilà, charpentier. Charpentier, c'est super. Bah oui, mais c'est quand même un métier aussi, ça, non? Oui, mais là, pour le coup, tu vois, je m'y connais. Hein? Imaginez-vous que quand j'étais petite, je me débrouillais pas trop mal avec les jeux de construction pour faire des maisons. Construction, tout ça. Mais là, c'est pas à la même échelle, si tu veux. C'est pas pareil. Pour du vrai. Parce que vous pouvez être négative, alors. Mais vous êtes négative, c'est incroyable. On n'est pas négative. C'est toi, essaye d'être un peu réaliste. Tiens, bah ça, ça c'est très bien ça. C'est quoi? Non mais ça va bien. Non, tu crois que je vais travailler dans un restaurant, un fast-food, là, toute la journée pour sentir le crayon? Non, jamais je ferai ça. Mais tu la vois, hein, la Ligue, il y a plein d'étudiants qui font ça pour gagner de l'argent. Ah oui, il y a peut-être plein d'étudiants, mais pas des étudiantes comme moi, intelligentes et raffinées. Oh, excuse-moi, j'avais oublié. Je suis désespérée. Mais non, mais t'as pas l'impression d'en rajouter un peu là. Mais il y a plus grave dans la vie, Lali. Non, il y a pas plus grave.
Dans la vie, un billet de 100 francs vous manque et tout est dépeuplé. Tiens, bah c'est la Martine qui serait contente de t'entendre. Écoute, je vais te dépanner et tu me rembourseras quand tu peux, ok? Non, non, je préfère être désespérée que... qu'endettée. Et pourquoi il n'y aurait pas un gentil milliardaire qui tomberait amoureux de moi? Ah ouais, ça serait bien ça. Puis Sébastien, c'est vrai quoi, c'est pas grave. Hein, t'y penses à Sébastien? Ouais, bah ça a aucun rapport quoi. Il serait tellement amoureux de moi, le milliardaire, qu'il me donnerait de l'argent et un point c'est tout. Oui, c'est ça, oui. Sans rien te demander en échange. Bah non, parce que moi je serais pas amoureuse de lui. Oh, bah excuse-moi de te décevoir, ma petite Ali, mais tu vois, ce genre de milliardaire, ça court pas les rues. Bon. Moi, bon, faut que j'aille, j'ai un rendez-vous à l'agence. Ah bah attends, je viens avec toi, faut que j'y aille aussi. Ok. Mais comment j'y ai pas pensé plus tôt? Mais bien sûr! Mais je vais faire comme vous, les filles! C'est-à-dire? Bah, je vais devenir un mannequin, quoi. oui, pourquoi pas? Bon, très bien. On t'amène à l'agence, on sait jamais, peut-être ça peut marcher. Quoi? Mais ça va marcher, ça va courir, tu vas voir. Bon, les Cindy et compagnie n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Pourquoi j'ai pas pensé plutôt les filles, hein? Pourquoi? Bon, allez, y a pas une minute à perdre, hein? Zou! Ok, on arrive. Eh, bon courage. Merci, on en a besoin. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, je vais finir mon petit café, puis après, j'irai voir les garçons. Bah, écoute, fais-leur un bisou pour nous, nous, on y va. Ouais. Bon, les filles, vous venez ou quoi? Ma carrière de top modèle m'attend, zut! Oui, c'est ça, bon, on arrive. Plus tard, hein. J'ai joué comme un vrai dieu. Je suis génial. Alex, arrête. Tu vas finir par le faire mieux que José. Mais à mon avis, tu vois, là, c'est la perruque qui m'inspire. Allez, regardez. Salut. On t'a pas entendu rentrer? Oh. Ça va? Non, ça va. Pendant 3 secondes, j'ai cru que José était revenu, c'est pour ça. Excuse-moi, c'est de ma faute. On s'amusait. Enfin, je me moquais pas de lui, mais... On plaisantait, quoi. Non, non, mais tout va bien, t'inquiète pas. La ressemblance était frappante, c'est tout. Là, ça va? Ouais. Et toi, ça va? Ouais, ça va, je me suis un peu mal, mais ça va. On se fait la bise, hein. Mmh. Y a pas de raison. Alors? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tes copines t'ont abandonné? Bah ouais, comme tu vois. Tu connais la meilleure? Mmh. Non? Eh ben, Lali a décidé de devenir mannequin. Eh oui! Elle est partie avec Linda et Manuela s'inscrire dans leur agence. Oh non. Eh oui, mon pauvre Sébastien. Par ça, tout va bien? Ah, pleine forme. On est ravis de refaire de la musique. Et toi, ça va? Bah, très bien. Je suis ravie de faire la musique avec eux. Ils sont tellement adorables, ces garçons. Hmm? Ouais, mais on dirait que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes ici. Bah, moi, je venais juste vous dire un petit coucou. Bah, t'as eu la chance de nous trouver, on s'apprêtait à faire une petite pause. Ouais, on doit aller acheter un ampli pour Cynthia, tu viens avec nous? Ah non, moi les magasins de musique. Ah, je la comprends, quand on fait pas de musique, c'est pas drôle du tout. Hein. Bah non. Allez. Bon. Bah, ce qui m'ennuie, c'est de te laisser toute seule. Mais non, t'inquiète pas, moi je vais aller faire un petit tour. Bah je viens avec toi si tu veux, moi les magasins de musique, ça m'a jamais vraiment enchanté. Bah voyons, c'est nouveau ça. Non mais c'est plus prudent, parce que quand j'y vais, ça me coûte une fortune. Ah, je comprends mieux là. Bon, on y va. Ok, à plus tard. Je t'invite à prendre un verre si tu veux. Eh ben ok, si tu veux. Comme ça, tu pourras me refaire une petite imitation de José, hein? Sans problème. On se retrouve dans une heure. Ok. Eh, okay. Hey, soyez sages tous les deux, hein. Oh. Ouais. C'est sympa de se retrouver là tous les deux, non? Ça fait du bien de rire. Je savais pas que t'étais aussi drôle que ça, toi. Eh ben attends, t'as rien vu. Tiens, regarde. Tu paries combien que je peux aller boire dans le verre de la jolie brune, là-bas? Oh non, moi je parie pas avec toi. Parce que je sais que tu serais capable de le faire. Eh mais regarde bien, c'est pas si évident que ça. Elle est entourée de garçons qui, à mon avis, ont plutôt l'air fous d'elle. Et quand je vais aller la voir, ils vont me regarder d'un mauvais œil et me mettre leur poing sur la figure avant que je lui adresse la parole. Là, c'est vrai qu'elle est bien entourée quand même, hein. Tant pis, j'y vais. Ah non, arrête. Si, tu vas voir, je vais y arriver. En plus, j'adore me lancer ce genre de défi.
Salut. Tu le connais, lui? Ben non. Vous voulez quelque chose? Oui, c'est pour la caméra invisible. J'ai parié que je pouvais boire dans votre verre, je peux? Eh, dis donc, toi, t'aurais pas pu trouver une autre façon de draguer? Non, mais attends, si c'est pour la caméra invisible, elle est où? Ah bah ça, si elle est invisible, vous pourrez pas la voir, hein? Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Bon, bah allez-y, buvez. Si. C'était délicieux. La caméra est juste là. Vous pouvez faire du coco? Ah là, c'est très bien, ça. Ça passe quand? La semaine prochaine. Ah, oh, c'est génial. On va passer à la télé. Eh oui. À bientôt. Tu vois? Je t'ai dit que j'y arriverais. C'est vrai que c'était plutôt drôle. Ah, mais ça, le coup de la caméra cachée, ça marche tout le temps. Mais t'as de l'imagination, toi, dis donc, hein? Attends, moi, je suis plutôt content. J'ai réussi à te faire rire. Eh ouais. C'est vrai qu'il y avait plutôt longtemps que ça m'était pas arrivé, hein. Oh, t'es malheureuse à cause de José, c'est ça? Je sais même plus. Ouais, excuse-moi, je deviens discret. Mais non, t'es pas indiscret. Enfin bon, moi, je sais pas ce qu'il lui a pris, mais si j'avais une copine comme toi, je serais jamais partie. Alex, Alex, tu vas pas commencer, hein? Mais non, je dis ce que je pense, c'est tout. Bon, moi, c'est gentil. Oh, regarde qui voilà. Vous êtes là. Salut. Alors, comment ça s'est passé? Oh, c'est super, je suis hyper contente. Non seulement je suis prise dans l'agence, mais en plus ils veulent faire de moi un top modèle. Est-ce que vous vous rendez compte? Moi, la belle vie, à moi, la belle vie. C'est génial ce qui t'arrive. Moi, je suis bien contente pour toi, ma belle. Alors, c'est fini ta période fauchée? Oui, c'est fini. Hein? Maintenant, je suis riche. Enfin, je vais devenir riche, célèbre, adulée. Waouh. Eh ben, quel programme. Tu commences quand? Tout de suite. On va faire un test photo avec un photographe hyper connu, plus tard, là. Et puis quoi? Ben, rien, quoi. Je venais juste vous annoncer la nouvelle. Ouh. Et vous le dites aux autres si vous les voyez, quoi. T'inquiète pas, on s'en charge. Bon, les filles, vite, toi, et bonne chance, hein. Mais tu te rends compte si jamais il y a un producteur qui me remarque... Tu sais, un producteur de cinéma qui me remarque sur un magazine, quoi. Et qui me prenne pour être l'héroïne de son prochain film. C'est super. Tu voulais pas être top modèle, toi? Mais si, bah, top modèle, c'est bien pour commencer, quoi. Mais actrice, c'est quand même mieux. Bah, ouais. Bon, hé, je file, hein. Il faut pas être en retard au premier jour. Bon, allez, file vite, toi. Allez, ciao. Ça vaut mieux pas ciao. Être en retard. Bah, chapeau, quel plan de carrière. Non, mais attends, j'espère qu'elle va pas tomber de haut, là. On s'en verra. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai rien de prévu. Alors, je t'invite à dîner, si tu veux bien. Bah, pourquoi pas? Puis ça me changera des dîners à la maison, en plus. Je passe te prendre vers 9h, c'est bon? Ok. Parfait. Ça va? C'est pas trop loin? Non, c'est bon. Tu l'es de là. Voilà, ici, c'est bien. Ta-ta-ta! Voilà. Vous croyez pas? J'aurais dû prendre l'ampli en dessous. Mais non, regarde, il est super, celui-là. Puis ça te fait tellement plaisir. C'est vrai. J'ai bien le droit de me faire du temps dans les cadeaux, hein. Allez, déballe ça, Olivier. C'est bizarre qu'Alex soit pas là. Oh bah oui, dis donc, ça traîne son poids avec Bénédicte, hein. C'est normal, c'est le remplaçant de José. On dit que le fils, on est commère, mais les garçons, c'est pire. Hein. Oh, mais attends, hey, c'est pas pareil. Ça s'appelle une déformation. Tu vois, à force de vivre avec les filles, on voit ce qui arrive. Oui, c'est ce qu'on dit, tiens. Hello. Vous voyez, vous êtes une mauvaise langue, là, voilà. Ok, excusez-moi. Je pensais que vous en auriez pour plus longtemps que ça. Ils ont pas dit du mal de moi, j'espère. On se demandait juste ce que tu faisais avec Bénédicte. Pas grand-chose. On a juste pris un verre et on a rigolé. Ah ouais, elle est mignonne, Bénédicte. Hein. Elle est mignonne, oui. Mais arrêtez, les garçons. Tiens, Alex. Comment tu trouves mon nouvel ampli? Il est super. Bah, génial, vraiment. Je l'ai gardé toute ma vie. Comme ça, elle me rappellera des bons souvenirs avec vous. Hein? Oh. C'est trop mignonne, Cynthia. Oh. On s'y remet. Allez, là-haut. Ouais, moi aussi, je suis impatiente d'entendre mon ampli. Oh, bah c'est parti. Après la répétition, ce soir, on fait un dîner à la maison. Oh bah voilà une idée qu'elle est bonne. Ah, pour moi aussi. Moi, par contre, je vais pas pouvoir. J'ai un rendez-vous, hein. Ah bah d'accord. Et bah voilà, le tombeur a encore frappé, hein. Oh là là, bon allez, on y va. 1, 2, 1, 2, 3.
écoutez. Oh là là. Ben les filles, qu'est-ce qui vous arrive? Ouh là là, Bénédicte. Oh là là, qu'elle est belle. Waouh. Vous trouvez? Ah ouais. Mmh. Mais qu'est-ce qui vous fait rire comme ça? À part Ali, qu'est-ce que tu crois qui nous fait rire? Qu'est-ce qu'elle a encore fait, là? Alors, figure-toi que ça a marché pour elle. La directrice de l'agence l'a trouvée très mignonne et elle l'a fait faire des tests tout de suite. Mais je sais, je suis déjà au courant. Elle est arrivée à la cafette. D'ailleurs, elle était un peu pressée. Hein. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, quand Lali est arrivée au maquillage, t'aurais dû voir ça. Mais qu'est-ce qu'elle a encore fait? Oh, elle était dans un état! Oh là là! Elle a expliqué aux maquilleuses que c'était elle, la nouvelle star de l'agence. Et qu'il fallait que le photographe qui se dépêche à faire son test parce qu'elle, elle avait un autre rendez-vous avec un autre photographe beaucoup plus important et qu'elle n'avait pas de temps à perdre. Mais elle est complètement folle. Non mais attends, c'est pas fini. Quand le photographe, tranquillement, gentiment, vient pour lui dire bonjour, du coin de l'œil, elle fait « J'espère que vos lumières sont à la hauteur de ma beauté. » Non mais imagine la tête du photographe. Elle a pas fait ça. Ben si. Mais vous avez dû la raisonner un petit peu quand même. Oui, bien sûr, mais comme d'habitude, elle les a envoyés promener, voilà. Mais alors, comment ça s'est terminé? Ah ben ça, tu vois, on sait pas parce qu'on a tellement eu honte qu'on est parti en courant. Je rêve. Qu'est-ce qui se passe, Lali? Rien. Il se passe que ce métier est un métier de nul. Voilà. Ah oui, et pourquoi? Parce que je me suis permis de faire une toute petite réflexion au photographe au sujet de la lumière qui était complètement pourrie. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il m'a répondu. Aussi. Attends, je devine. Il t'aurait pas dit par hasard? Bon, écoutez, mademoiselle, là, c'est la première fois qu'un mannequin me parle de la sorte, qu'il me fait des réflexions sur mon travail. Et comme j'ai assez d'expérience, si vous n'êtes pas contente, allez travailler ailleurs. Il t'aurait pas dit ça par hasard? Mais si. Mais tu le connais ou quoi? Mais ça n'a rien à voir, là, les écoutes. C'est juste qu'un débutant ne se comporte pas en bien photographe comme ça, c'est tout. Ah oui, il se laisse défigurer, comme un grand. Mais écoute, Lali, ce photographe était excellent, alors arrête. Non, il était nul, nul, nul. Sa lumière était nulle, tout était nul. Comme ça, au moins, il sait à qui il l'a fait, voilà. Si vous avez vu la tête qu'il a fait quand je lui ai arraché son appareil photo des mains que j'ai balancé par terre. Excellent. Oh, mais Lali, tu n'as pas fait ça. Mais si, il n'avait qu'à pas me parler sur ce ton, quoi. T'es nul, maintenant tout est fichu, personne ne voudra de toi, t'es contente? Eh ben, tant pis, de toute façon, c'est pas grave. Moi, je suis pas faite pour faire cette espèce de boulot, là, de top modèle, de mannequin, de je sais pas quoi. Je suis pas faite pour être une plante, quoi, je suis pas une potiche. Oh. Bah d'accord, c'est sympa pour nous. Bah oui, bah, je suis désolée, c'est comme ça. Oh là là. Lali, faudrait peut-être que t'atterrisses un jour, toi. Hein. Tout le monde sera pas toujours à tes pieds. Ça n'a rien à voir, seulement je n'aime pas me laisser faire. Bon, j'ai faim, on mange? Bon, bah écoute, si t'as faim, faudrait peut-être penser à préparer le dîner, hein? Oui, viens avec nous, Lali, ça te calmera. Mmh. J'arrive, tu viens, Bénédicte? Je veux bien vous aider, mais je dîne pas avec vous. Mmh? Ah ouais? Et pourquoi? Parce qu'Alex m'a invité à dîner. Oh! Ah, ce photographe, mais quelle naze. Tu te rends compte de ce qu'il m'a dit? Tu te rends compte, hein? De ce qu'il m'a dit. Bon sommeil. En plus, il est moche. Il est moche. Mais des moches comme ça, ça devrait pas faire des photos de mannequins. C'est vrai, il faut pas mélanger le laid et le beau. Ali, tu peux me laisser dormir. Mais oui, bah quoi, je suis désolée, mais je suis énervée, il m'a agacée aujourd'hui, quoi, je peux pas m'empêcher d'y penser. Dans son silence, laisse-moi dormir. Ça t'intéresse pas ce que je dis, hein, forcément. Lali, il est quoi, 1h du matin? Moi j'ai répété toute la journée, je suis fatiguée. S'il te plaît, tais-toi. Oui, c'est ça, dors, vas-y, dors. Allez, dors bien, mon petit Sébastien. J'ai compris. De toute façon, moi, il peut m'arriver n'importe quoi dans la vie. T'en as rien à faire. Tu sais quoi? Tu m'aimes pas, Sébastien. Et tu sais ce que tu es? Tu es un égoïste! Ah, écoute, mon bébé. Je t'aime. Mais je suis fatigué, là. Alors, je fais dodo. C'est ça, dors bien. Surtout, dors bien. Dors loin, aussi. Et la petite punétique, t'es avec Alex, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. On n'empêche qu'ils vont pas m'échapper, ces deux-là. Tu crois qu'elle est amoureuse de lui? Lali, je sais rien.
Jusqu'à m'a... Attends, Sébastien, réveille-toi. Jusqu'à m'a... Mais écoute-moi. Jusqu'à m'a dit. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas dîner avec nous ce soir parce qu'Alex l'invitait à dîner. Non, mais quelle sainte n'y touche. Bon, attends, je vais voir si elle est dans sa chambre. Où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? Mais je vais voir si Bénédicte est dans sa chambre. Mais... Hé, hey, dors. Ah ben voilà, elle est pas là. Sébastien ! Sébastien ! Sébastien, réveille-toi ! Réveille-toi, Bénédicte, t'es pas dans sa chambre ! Eh ben, hé ! Ça veut dire qu'elle est quoi ? Elle est encore avec Alex ! Ellie, demain je t'achète des somnifères. Mais quoi ? Je te parle de trucs sérieux, tu me parles de somnifères. Maintenant, tu me laisses dormir, s'il te plaît, d'accord ? Eh ben, dors, d'accord, tu me répètes la même chose depuis tout à l'heure. Dors. Surtout, t'énerve pas. Eh bien, je te remercie pour cette soirée, Alex. Ben non, c'est moi qui te remercie. Bonne nuit. Bonne nuit. Sébastien ! Sébastien ! Réveille-toi ! Nos jours de malheur sont terminés, mon amour. Maintenant, c'est le bonheur absolu. De quoi tu parles ? Jusqu'au dernier jour.